Voici un résumé de ces trois journées exceptionnelles marquées par la tempête Céline sur l'île de Noirmoutier. Vous allez voir la Guérinière, le Viel, le port de Noirmoutier et la pointe du Devin à l'Épine. La digue du secteur du Beauce à la Guérinière a cédé samedi 29 octobre, en fin d'après-midi, ouvrant ainsi une brèche d'une quinzaine de mètres.
l'entreprise TP Charrier est intervenue afin de rétablir l'enrochement après que les services techniques aient tenté d'intervenir au mieux qu'ils le pouvaient. Plusieurs bateaux se sont échoués devant le restaurant Les Pieds dans l'eau, et le club Mickey est endommagé. La plage entre Bonsecours et la cale du Calvaire a perdu environ 20 mètres de sable. Sur la cale du chantier et celle de la marine, 15 mètres de sable ont disparu. Un mur de sable de 6 mètres de haut s'est formé et l'accès PMR a disparu.
Avec le coefficient de marée de 103 plus la grosse surcote, l'eau a débordé du port, elle a atteint le haut des quais du vieux port pour se déverser dans les rues qui étaient fermées à la circulation. Il n'y a pas de dégâts majeurs à Noirmoutier en Lille. Un débordement d'une durée de 10 à 15 minutes depuis l'hôtel d'Elbey jusqu'à la voilerie Burgot sur le quai Cassard. L'eau s'est déversée également place des Martyrs.
N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour être tenu au courant de la sortie de mes nouvelles vidéos. Côté des vagues submersion, une brèche s'est ouverte dans un ouvrage en pierre à la claire, et les agents de la communauté de communes sont intervenus dans la nuit de vendredi à samedi afin de renforcer l'ouvrage avec du béton. Mm-hmm.
La route menant à la pointe du Devin à l'Épine a été complètement submergée, chose que je n'avais jamais vue auparavant. La cale a également subi des dommages, avec de nombreuses roches emportées.
Vous pouvez me suivre sur Facebook, TikTok, Instagram. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu. Je vous dis à très vite. Salut !